Bon, aujourd'hui là, on va faire des exercices concernant paquetresseurs, les gens selon lesquels nous n'arrivons pas à bien cerner le cours. Bon, ici, premièrement, c'est les routeurs, le choix des routeurs. Parfois, il y en a des gens qui peuvent choisir des mauvais choix. Il y en a. Bon, le choix des routeurs dépend parce que chaque routeur a un mode de configuration. Entre-temps, il y en a les 1841, il y en a les 1941. Bon, chacun d'entre vous peut choisir. Le 1841, c'est pas mauvais, et le 1941, ce n'est pas mauvais. Ça dépend de ce que vous allez choisir directement. Alors, pour commencer, on va faire quoi? On va directement ajouter les routeurs ici, mais aussi on va éteindre les routeurs et on embarque automatiquement les fonctionnalités selon laquelle on doit directement mettre. Ici, il y en a celles qui sont juste à côté ici. Là, on ferme celui-là et on va ajouter l'autre. Bon, il y en a des bugs qui se passent ici, là, que je n'arrive pas à le savoir. Parce que là, je fais le direct et en même temps. Au moment qu'on a embarqué ça, on va redémarrer automatiquement ici. Dès qu'on a redémarré, là, on a allumé directement. On va prendre les ordinateurs pour que nous puissions directement configurer. Là où il y en a des soucis, on pourrait directement les régler automatiquement. On met les PC. Au moment où on a mis les PC, bon, on peut même ajouter deux. Là, ce qu'on va faire, on va ajouter les câbles. Entre-temps, on doit ajouter aussi les switches. Les switches, on peut prendre celle qui en a les 24 ports. C'est bon, on prend les câbles. Sur le PC, pour moi ici, sur le PC. Là, j'ajoute directement les fonctionnalités qui est là. Ici, si vous regardez très bien ici, là, vous pouvez voir directement que le serial, il y en a serial 0 slash 0 slash 0. Alors, si on est là, on va prendre par exemple le 00 et on va prendre le 00 qui est ici. Le serial 00. Mais si vous regardez très bien ici, sur les FAT, il n'y en a que FAT 0 slash 0, il y en a aussi le FAT 0 slash 1. Et vous mettez directement ici, ça commence de 01 jusqu'à 026. Et si on arrive dans l'autre côté, on va faire la même chose, FAT 0. Et si on met directement la souris comme ça, il va nous montrer directement qu'on a FAT 0 slash 0. Ce n'est pas FAT 0 slash 0 slash 0. Celui-là, bon, ce n'est pas celui-là. Il faut d'abord choisir le bon switch. La première des choses à faire, c'est de choisir le bon switch. Le bon routeur, pardon. Et le routeur, il y en a le routeur 1841, il y en a le routeur 1941. Vous choisissez l'un parmi les deux. Il ne faut pas choisir au hasard comme ça, là, ce n'est pas bon. Parce que chaque serveur a un modèle de configuration, une fonctionnalité que l'autre n'a pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez directement, vous en avez d'un PC par exemple, qui a des bonnes performances, il y en a des autres qui n'ont pas de performances, et alors ainsi de suite. Alors là, on va brancher directement nos câbles.
Mais je crois que j'ai un souci de moi. Je ne sais pas si c'est le direct qui le fait vibrer comme ça ou bien c'est quoi. Mais nous continuerons. Bien, au moment qu'on a terminé cela, on va directement entrer ici et faire notre configuration. Et avant de lancer nos configurations, on va directement mettre quelques adresses ici là. Bien, on va écrire nos adresses ici là. Ici, on va utiliser 10.0.0. Point 1 slash 8 point 0 point 0 ici slash 8 et ici là sur le câble en rouge 10.0, c'est-à-dire le même adresse, il va directement être utilisé ici et là-bas. Si c'est 10.0.0.1 2, si on va mettre 2. Alors l'autre côté ici, on va mettre directement une adresse de 192.168.2.1. Et ici, on va mettre une adresse de 192.168.5.1. Bien. Là, on a terminé et on va commencer directement la configuration. Bon, il y en a quelques bugs là que je n'arrive pas à le savoir là où ça vient. Bien, on va faire la configuration comme on le fait. Là, on va entrer ici. On va grandir comme ça. Là, peut-être la clignotage là ne peut pas nous assurer comme ça. Et là, on va commencer par la configuration terminale. Là, c'est bon. Et après cette configuration, on va taper directement notre interface. C'est interface. Interface, bon, on va prendre le FAT. Ça, c'est 0 slash 0. Ce n'est pas 0 slash 0 slash 0. Si vous utilisez d'autres fonctionnalités, il faut savoir directement que ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous suivez les cours, s'il vous plaît? Est-ce que vous suivez les cours en ligne dans notre page Facebook? Est-ce que vous suivez les cours, s'il vous plaît? Il faut me dire directement que vous suivez le cours en direct parce que après avoir terminé celui-là, qu'on va le mettre en ligne. Au cas contraire de l'action, ce n'est pas bon. Si vous suivez, il faut que vous suivez en direct. Après, vous pouvez directement le faire. Entre-temps, il y en a le Google Classroom. Je vous en prie d'aller télécharger le bon logiciel là-bas. Alors, au moment qu'on a directement ajouté ça, on va taper directement IP add. Il faut mettre toujours tabulation pour qu'elle complète, pour savoir exactement est-ce que vous êtes dans le bon endroit. Et si vous regardez ici, on recule un petit peu, on a mis une adresse là, l'adresse 192.168.2.1.